Ariane, est-ce que tu es bien installée? Non. Tu sais pourquoi ici on se sent à l'étroit? Parce que généralement, on n'emmène pas l'argent. Bon, je t'explique le principe. Oui, je sais. Non, je tu connais, ne sais peut-être pas. Je l'ai vu à la télé. Non. Oui, mais alors, et parce que c'est vu à la télé, c'est la vérité peut-être. Oui, c'est bien la première fois. Oui. Tu vas maintenant vivre ça au cœur même de l'action. Tu vas utiliser ta tête, et uniquement ta tête. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui émerge encore. Tu vas devoir trouver 4 chiffres composant le code permettant l'ouverture de la boîte contenant votre premier indice pour ce matin. Il y en a même 5 en fait. Donc, 5 oui, on t'en ajoute un petit cinquième. Oh, ça, c'est plus rigolo. Bon, alors, je sais, ça risque d'être peut-être un peu impressionnant, mais bon, pour te rassurer, sache que je suis en pensée avec toi. Oh non, pas les crapauds, non, j'ai honte de ça. Oh non, 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 ah, en plus, il bouge. Mais non, il ne bouge pas. C'est une vue de l'esprit, c'est un effet d'optique. Oh, Sarah. Oui, Olivier. Si tu veux bien envoyer Taïg pour l'aventure suivante. Pendant que Ariane, elle, va récupérer, je l'espère pour vous, le premier indice. Il est devant la porte parce qu'il ne t'a pas encore vu arriver. Mais quand tu vas t'approcher, il va partir. Ce sont des petits êtres qui sont très chétifs et qui surtout ont très peur. Non, il est juste devant ça. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Et ils sont où les indices? Ah, ça y est, il se barre le gros là. Tu le vois, tu vois le premier indice? Il est dans une petite fiole là, sur le côté. Dans la fiole? Là, dans la grande fiole? Oh non, c'est affreux! Bon, Philippe, ce que tu vas faire, tu vas prendre une craie, tu vas te mettre contre l'ardoise et vous allez tous ensemble écouter les numéros qu'elle va nous donner. Alors malheureusement, elle nous entend. Mais t'es trop trop dégage! La parlez plus, la parlez plus. 973! Ok, allez, continue! 973. Alors Philippe, un conseil, quand tu auras le prochain chiffre, tu additionneras au fur et à mesure, d'accord? C'est pour gagner du temps. Bon, elle a pas l'air très rassurée. Hein. Non, allez, tranquille, tu risques rien, c'est des petits entraînements. Mais tu risques rien, t'es drôle, toi! Ça saute, ça saute dans les cheveux! Allez, vas-y, tranquille! Non! Qu'elle souffle, là, parce qu'elle est en train de perdre, le numéro est inscrit sur la balle de pinot. La balle de ping-pong ne veut pas se mettre dans la bonne position. Allez. 688! 688! Ok. Alors, je vais avoir des trucs qui vont tomber. Allez, regarde, c'est bon, allez! Il va y avoir des trucs qui vont tomber sur la carte. Voilà. Il faut qu'elle regarde en haut après. Allez, voilà! Derrière! Bravo, bravo, bravo! Bravo 356. Est-ce qu'on les a tous? Non, il en manque un. Vas-y, c'est bon. Du courage, allez. Ouais, quand elle veut encore une fois souffler. Pour, voilà, faire la balle de ping-pong encore une fois et relire un autre chiffre. Super, regarde, c'est génial ce que tu fais. Allez, voilà! Très bien, est-ce qu'elle l'a vu? Allez, vas-y, ressouble fort! Ouais. 825! Génial! Bravo, Ariane! Bravo! Ça y est, t'as fini, le calvaire est terminé! Oh là là! 6, 8 et 7, 15. Ouais, elle a pris sur elle, hein? Je crois qu'elle n'est pas encore remise. Bon. Essayez, allez-y, ouvrez le coffre. 35, 61, pourvu que ce soit ça. Parce qu'elle s'est battue. Et elle a vraiment pris sur elle pour avoir cet indice, en tout cas ce code. J'en ai dans le.
Ah, ouais. Bravo, Ariane, ça y est. Bravo, Ariane. Bravo, on a le premier addict. Remets-toi de tes émotions, déséquipe-toi, nous on va retrouver ta ligue. Oh là là. Bravo, bravo. Ouais. Bravo. Et tu viens nous retrouver après.